إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. إن يغب عنا السنا أو يزد فينا العنا من لنا إلا كنرجو ربنا. في دجانا إننا قد وضعنا حملنا يا رجانا أنت من جانا ومن جانا هنا. لا إله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمل التحيات تحية الإسلام. Mais on aura, mes frères et sœurs, la meilleure des paroles est certes celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. La meilleure des voies, le meilleur des chemins à suivre, certes celui de notre prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. Et la meilleure des salutations est certes celle de l'islam. Et je vous dis, wa aqulu lakum jami'an assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je tiens à remercier Allah azza wa jal dans un premier temps de nous avoir permis de nous réunir ici au sein de la mosquée Ar-Rahmah afin que nous puissions découvrir l'importance que chaque musulman doit accorder à la science dans sa vie quotidienne. Et quoi de mieux pour cela que de débuter cette intervention par un verset du Coran où Allah Azza wa Jal dit dans le Saint-Coran « خَيْرُ مَا يُمْكِنُ لَنَا أَنْ نَفْتَتِحَ هَذَا اللِّقَاءَ الْمُبَارَكَ حَوْلَ الْعِلْمِ » آية مباركة نجدها في القرآن الكريم، ويقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. الله عز وجل dit dans le Saint-Coran, il dit: pouvons-nous, arrivons-nous à comparer les gens qui savent et les gens qui ne savent pas? Si vous preniez aujourd'hui un livre blanc sans écriture, peut-il vous être profitable? Aucunement. Tandis qu'un livre rempli d'écriture ne peut être que profitable. Lorsqu'on parle de science, nous parlons également de savants. حينما نتحدث عن العلم لازم نتكلم على العلماء. Car si la science doit nous parvenir, il faut bien qu'il y ait des gens pour la transmettre. Et pour transmettre cette science, ce ne seront sûrement pas des gens qui n'ont aucune science ou des gens ignorants dans un domaine spécifique. Et je vous invite, mes honorables frères et sœurs, en guise d'introduction pour ce sujet énorme, je vous invite à découvrir un personnage remarquable qui a marqué l'histoire de la science à travers des siècles. هيا بنا جميعا أيها الإخوة الكرام نتعرف على ذلك الرجل العالم الجليل والعالم الرباني الذي أعطى حياته كلها لأجل العلم ولطلب العلم. ذلك الرجل لا يعرفه أحد، بل أقول القليل منا يعرفه، ولكن الله سبحانه وتعالى يعرفه. Ce personnage, cet homme qui a consacré sa vie à la science que personne ne connaît, ou je dirais plutôt que très peu de personnes connaissent, mais Allah Azza wa Jal, lui, le connaît très très bien. هذا الرجل سفر في حياته مرتين لأجل العلم لطلب العلم. Cet homme, ce personnage remarquable, a voyagé durant sa vie à deux occasions pour l'apprentissage de la science. Certains me diront, mais deux occasions, ce n'est pas assez pour la science. Une seconde. Écoutez, sois avec moi, Inch'Allah ta'ala. في رحلته الأولى أعطى من حياته 20 سنة لأجل طلب العلم. Sa première quête du savoir lui a pris 20 ans. 20 ans de sa vie pour l'apprentissage de la science. Quant à sa deuxième quête du savoir, elle lui a pris 14 années. 14 سنة. رحلته الثانية أخذت من حياته 14 سنة.
ذلك الصحابي ذلك الرجل ذلك الشجاع وذلك الرجل العالم الرباني. نعم يمكن لنا أن نقول بهذا بأن هذا الرجل رجل شجاع، وفي الحقيقة عار وعيب علينا أن نقول لبعضنا بعض بأن هذا الرجل الفلاني رجل شجاع وذلك، لأننا نحن أبعد من البعد عن هذا الرجل. هذا الرجل أيها الإخوة الكرام ولد في قرطبة في رمضان. Cet homme, mes honorables frères et sœurs, est un érudit, un savant, un courageux. Et nous pouvons dire de cet homme qu'il est courageux. Et en réalité, c'est une honte à nous de nous dire entre nous, entre amis, que telle personne est courageuse et que telle personne est ceci et cela, car nous sommes plus loin que le loin que nous connaissons par rapport à ce personnage. Cet homme, mes honorables frères et sœurs, est né en Andalousie, à Cordoba, durant le mois de Ramadan, en l'année 200. فهذا الرجل اسمه الإمام الرباني بقي ابن مخلد الأندلسي. Cet homme, cet érudit, ce savant, s'appelle l'Imam بقي ابن مخلد الأندلسي, qui habitait en Andalousie, qui aujourd'hui est l'Espagne. هذا الرجل الفاضل هذا العالم الرباني في العشرينات من عمره سافر لطلب العلم. Et à cette époque-là, il n'y avait pas énormément de savants. Les savants, les livres se trouvaient en centaines et en milliers à Bagdad, fi Bagdad. Fi Bagdad. Il y avait des centaines, il y avait des centaines de librairies, des bibliothèques où ils pouvaient apprendre la science. Baqiyu ibn Makhlad était en Andalousie, loin, très très loin de Bagdad. Le seul moyen pour lui d'arriver à Bagdad et de voyager et d'apprendre la science. Et il prit la route pour Bagdad. Il traverse l'Afrique, traverse la mer, tout en parcourant la science. C'est alors qu'il arrive à Bagdad. Cet homme, cet érudit, ce courageux, mes honorables frères et sœurs, Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi, qui a marqué l'histoire de la science, arrive à Bagdad pour apprendre la science sous les mains, ou plutôt chez l'imam Ahmad ibn Hanbal. En arrivant à Bagdad, Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi a appris une triste nouvelle qui le bouleversa. Cette triste nouvelle était que l'imam Ahmad ibn Hanbal était emprisonné, qu'il a été relâché, mais qu'il a été interdit de donner cours. Il ne pouvait plus enseigner aux gens. Il ne voulait plus faire partager la bonne parole, la parole divine. Il ne pouvait plus enseigner les textes prophétiques. Imaginez-vous Baqiyu ibn Makhlad, durant des heures, non, durant des mois de voyage. Pensez-vous qu'il voyageait comme nous l'avons aujourd'hui dans des avions, dans des voitures, la abadan. Il était à pied, mes honorables frères et sœurs, et il parcourt de l'Andalousie jusqu'à Bagdad, à pied pour l'apprentissage de la religion, de l'apprentissage de la science, et ça lui a pris des mois pour cela, pour arriver à Bagdad. Et une fois à Bagdad, il a pris cette triste nouvelle, comme quoi l'imam Ahmad ibn Hanbal Shiki, il avait été pour apprendre la science, a été emprisonné et a été relâché, puis interdit d'enseignement. Que va-t-il faire, Baqiyu ibn Makhlad ? Dhalika ar-rajul, ce savant, c'est érudit. Il décide de rester et de maintenir sa position, car il a un amour particulier à la science. Il a un amour particulier quant à l'apprentissage de la science, de l'ilm. Il va dans un hôtel et il prend une chambre. Ensuite, il cherche après les assemblées de foi où la science est évoquée. C'est alors qu'il rentre dans une mosquée. جلسة نبيلة
Il rentre dans une mosquée, il voit une assise, une grande assise où il y avait pas mal de monde qui assistait, et un imam qui était là en train de parler de textes prophétiques. « Had al-hadith sahih, wa had al-hadith da'if » et ainsi de suite. C'est alors que l'imam Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi pose la question à l'imam qui enseignait les gens et lui dit « Que penses-tu de l'imam Ahmed ibn Hanbal ?» Regardez le respect qu'il y avait entre les savants à l'époque. Il lui dit « وَمَنْ أَنَا حَتَّى تَسْأَلَنِي عَلَى الْإِمَامِ أَحْمَدِ بْنُ حَنْبَلِ إِنَّهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ » Il lui dit « Qui je suis moi pour répondre à ta question et te dire qui est l'imam Ahmed ibn Hanbal ?» Je ne lui arrive pas à la cheville. L'imam Ahmed ibn Hanbal est l'un des érudits des savants. Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi a fait un voyage de l'Andalousie jusqu'à Bagdad, ne l'oublions pas. Ça lui a pris des mois. Il est venu pour apprendre la science chez l'imam Ahmed. L'imam Ahmed ne donne plus de cours, car il est interdit d'enseignement. Baqiyu ibn Makhlad, durant cette assise, il demande aux gens de l'orienter vers la maison de l'imam Ahmed ibn Hanbal. Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi alla jusque chez l'imam Ahmed. Il toque à sa porte pour rencontrer cet érudit, ce savant, et apprendre la science chez lui. C'est alors que la porte s'ouvre. Al-Imam Ahmed ibn Hanbal l'accueille. Ils échangent. C'est alors que Baqiyu ibn Makhlad lui dit « Ya Cheikh, je suis venu de très très loin pour prendre la science chez toi. » L'imam Ahmed ibn Hanbal lui dit « Tu viens d'Afrique ?» C'est alors que Baqiyu ibn Makhlad lui répond « Je viens de très très loin. J'ai dû traverser la mer pour arriver en Afrique. » Al-Imam Ahmed ibn Hanbal lui répond tristement et lui dit « J'ai été interdit d'enseigner. Je ne peux malheureusement être d'aucune utilité. Je ne peux plus enseigner, j'ai été interdit. » Car à l'époque, le calife était méchant, arrogant. Baqiyu ibn Makhlad ne se laissa pas faire. Et il ne s'est absolument pas découragé. Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi, cet homme qui a bouleversé la science, et qui a bouleversé l'histoire de la science. Et c'est ici que l'histoire commence. Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi ne voulait pas retourner en Andalousie sans rien. Si vous voulez, Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi, à la fin de l'histoire, c'est lui qui a exporté la science de Bagdad en Andalousie. Ou alors il l'a importé, si vous voulez, d'Andalousie depuis Bagdad. Lorsque l'imam Ahmed ibn Hanbal lui dit qu'il ne pouvait pas enseigner et qu'il avait été interdit pour cela, Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi, par amour à la science, il décide de faire ce que personne d'entre nous aujourd'hui n'oserait faire. Il lui a dit à l'imam Ahmed ibn Hanbal, ya Cheikh, je vais m'habiller comme un pauvre. Je vais mettre des vêtements déchirés de tous les côtés. Je vais mettre de la saleté sur moi. Je vais marcher dans les rues autour de ta maison et je vais crier « Oh les généreux, je suis pauvre et j'ai faim, donnez-moi à manger !» Et lorsque je passerai devant ta maison, je toquerai et je demanderai à ce que tu me nourrisses. Et toi, à ce moment-là, tu m'ouvres la porte, je rentre, je note vite fait des hadiths, des textes prophétiques pour l'apprentissage, je les prends, je les écris et je repars. Et les gens, les autorités, penseront que je suis rentré pour manger et que je suis ressorti. Donc si vous voulez, en langage commun, il est rentré 5-10 minutes, il écrit le hadith et l'on ressort. Ça, ce sont les savants qui ont accordé une importance particulière à la science. C'est ainsi, mes honorables frères et sœurs, que Baqiyu ibn Makhlad al-Andalusi a appris des centaines de hadiths sur les mains de l'imam Ahmed ibn Hanbal. De cette manière, il s'habillait tous les jours en pauvre et il toquait en disant « J'ai faim, donnez-moi à manger. » Et c'est alors que l'imam Ahmed ibn Hanbal lui enseigna des hadiths. Jusqu'au jour où le calife, l'arrogant, le méchant, jusqu'à ce que ce jour-là, il décéda, il est mort. Un calife lui succède. Ce calife aime l'imam Ahmed ibn Hanbal. Il l'aime. Il l'aime et il lui redonne sa liberté. Il lui dit « Enseigne, propage la science, propage la bonne parole, la parole divine. »
L'imam Ahmed ibn Hanbal reprend son poste au sein de la mosquée. Il est en plein prêche, en plein discours. La mosquée, elle est remplie de tous les côtés. La mosquée, elle est remplie. Très très grande mosquée remplie de tous les côtés. Baqiyyu ibn Makhlad al-Andalus, il veut rentrer dans la mosquée. Mais plus de place, tout est rempli. L'imam Ahmed ibn Hanbal demande aux gens de lui laisser le chemin pour venir jusqu'au premier rang, car il mérite le premier rang. Regardez cet amour de l'imam Ahmed ibn Hanbal à Baqiyyu ibn Makhlad al-Andalus pour la simple et unique raison qu'il avait un amour particulier à la science. Il vient au début du rang, en avant, et l'imam Ahmed ibn Hanbal lui dit: si vous cherchez quelqu'un qui recherche la science, le voici. Et il raconte l'histoire que je vous ai racontée, et il leur dit que Baqiyyu ibn Makhlad al-Andalusi a étudié 300 hadiths de cette manière-là, en se déguisant comme étant un pauvre qui recherchait de quoi se nourrir. Mes honorables frères et sœurs, quelques instants par après, et ça, je vais clôturer par celle-ci pour vous montrer l'importance qu'avaient les gens de science entre eux et cet amour particulier qu'avait l'imam Ahmed ibn Hanbal vis-à-vis de Baqiyyu ibn Makhlad al-Andalusi, ce personnage que très peu de personnes connaissent et qui a quand même bouleversé l'histoire de la science. Nous connaissons tous des savants qui ont tous une histoire particulière dans la science. Mais celui-ci, c'est le top des tops, si vous voulez, afin que vous puissiez me comprendre. Un jour, l'imam Ahmed ibn Hanbal sort de chez lui, habillé proprement. Il se parfume pour accéder à sa mosquée et prêcher les gens. Il rentre. La mosquée est toujours remplie comme d'habitude. Il voit que Baqiyyu ibn Makhlad n'est pas là. Triste. Il refuse de commencer son intervention. Il demande aux gens: où est Baqiyyu ibn Makhlad? Où est-il? C'est alors que les gens lui disent: Baqiyyu ibn Makhlad al-Andalus, il est resté dans sa chambre à l'hôtel, car il est souffrant aujourd'hui. L'imam Ahmed ibn Hanbal, triste, refuse d'intervenir. Il décide d'aller lui rendre visite directement. Il traverse la mosquée pour aller lui rendre visite à l'hôtel. C'est alors que dans une version, il est rapporté que le maître d'hôtel rapporte que toute l'assemblée qui était là avec l'imam Ahmed ibn Hanbal l'ont suivi pour rendre visite à Baqiyyu ibn Makhlad al-Andalusi, cet homme, ce personnage, cet exemple, ce courageux qui a quitté sa famille, qui a quitté son pays, son village, sa ville pour la recherche de la science, qui a parcouru des milliers de kilomètres durant des mois et des mois, qui n'a pas lâché à cause de certains problèmes auxquels il a pu rencontrer. Tel, mes honorables frères et sœurs, le chemin que nous devons essayer de suivre tous ensemble. Je sais qu'il n'est pas évident, que nous avons des moyens plus faciles, plus simples, plus efficaces de nos jours pour voyager, pour apprendre la science. Il y a, alhamdoulilah, des cours qui se donnent dans les mosquées, dans des instituts. Nous pouvons aller étudier chez certains imams, et ainsi de suite. Ce sont tous des moyens que nous avons faciles. La seule chose qui nous manque, c'est la volonté d'apprendre la religion et la science. Et je reviens et je termine par ce verset. « Allah Azza wa Jalla hal yastawi alladhina ya'lamun wa alladhina la ya'lamun » Est-ce que nous pouvons comparer les gens qui savent et les gens qui ne savent pas? Telle est l'histoire de ce personnage merveilleux, Baqiyyu ibn Makhlad al-Andalusi, qui a exporté la science de Bagdad en Andalousie. Et j'implore Allah Azza wa Jalla de faire que nos pas, que nos traces prennent exemple sur ce personnage merveilleux qui est Baqiyyu ibn Makhlad al-Andalusi. Dites Amin. Que Allah nous préserve.